de cette playlist supprimée. Profites-en, pilote. La prochaine playlist de notre catalogue aborde un autre aspect essentiel de la culture automobile mondiale, la customisation. Ici, au Motorfest, chaque thème lié à l'automobile a droit à son moment. Pour te montrer comment repenser le design d'une voiture, le Motorfest a décidé de faire appel à un véritable maître en la matière. Liberty Walk est bien plus qu'une simple marque. Il s'agit en fait de trois approches différentes portées par une philosophie de customisation commune. L'esprit de Liberty, des voitures qui plaisent à tout le monde et sans limite à la créativité. C'est la performance et la customisation sans aucun compromis. Nous y sommes. Voici Liberty Walk, présenté par Monsieur Kato lui-même. Prochaine étape. Sans plus attendre, le premier des trois piliers de Liberty Walk, Liberty Works. Kato-san est occupé par son travail, mais un autre expert en customisation t'attend sur place. En fait, tu l'as déjà rencontré.
c'est Toji. Tu te souviens de moi? Made in Japan, le pack, le gars avec les Voix X. Ça devrait pas te surprendre. C'est une playlist Liberty Walk. Je suis un customiseur. J'allais pas manquer ça. Mon pays, c'est la Mecque du tuning. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais commençons par ça. Au Japon, tous les amateurs de custom connaissent le nom de Wataru Kato. Apporter son propre style au supercar, c'est son truc. BMW est beaucoup trop banal pour la playlist Liberty Walk, alors que le tuning soit. Jupe latérale au niveau du sol, aile large avec rivet. C'est la griffe de Kato, inimitable. Assez parlé, montre-moi de quoi ce bolide est capable.
pilote. De nouveaux challenges t'attendent. Alors, comment tu trouves cette BMW modifiée? Tu sens la différence? Elle a toutes les améliorations signatures de Liberty Works. Parfait pour se mettre dans l'ambiance. Excellente nouvelle, tu vas pouvoir conserver cette voiture pour la prochaine course. Et celle-ci sera longue. Ça te laissera le temps d'examiner un véritable véhicule Liberty Walk. Avec cette merveille. Essaie de lui rendre justice. On m'a dit que ça pourrait être la récompense de cette playlist. Les voitures de mes magazines de custom, le genre de style qui marque un gamin à vie. Dans les années 90, peu de tuneurs s'attaquaient aux voitures européennes et américaines comme Kato. Un style purement agressif. Trois piliers pour trois styles distincts. On est dans la partie Works, la marque de fabrique de Kato. Une touche japonaise classique basée sur des ailes larges, appliquées aux plus beaux véhicules exotiques. Les autres piliers sont Nation et Performance, mais on verra ça plus tard. Plus qu'un restylage de ta BMW. Voyons voir.
turbo boosté, châssis plus robuste, frein plus puissant et pneus plus larges. Ouais, ces mecs sont doués. Sois pas timide, laisse-toi aller. Beaucoup d'autres suivront, j'en suis sûre. Dernier event du premier pilier de Liberty. Voyons comment ces custom works, gonflés à bloc, se débrouillent dans les cols de montagnes sinueux. Cette fois, tu changes de voiture. Une Nissan GT-R modifiée rien que pour toi, prête à l'action. Et oui, le prochain event est dédié aux voitures japonaises. Je laisse Toji prendre le relais. Il n'est pas du genre bavard, mais quand il s'agit de custom, la passion se réveille. Presque.
Montre-leur ce que t'as dans le ventre. Ça, on dirait vraiment une ambiance à la Color Mirren. Retour aux sources pour la dernière course Works. Une Nissan GT-R avec un kit carrosserie des enfers. Un truc de bad boy, c'est clairement l'inspiration ici. Dans les années 70, les clans japonais aimaient faire du bruit et afficher leur style dans des courses illégales. Ces voitures, c'était la folie. Kato connaît ses classiques. Respecte la custom. Maintenant, le Bosuzuku, c'est surtout des kits carrosserie surdimensionnés. Le but, impressionner. Sont un classique du JDM. Elles ont déjà un look agressif, mais dès qu'elles passent entre les mains de Kato, booste devant. Allez, finis-moi cette course.
destination. Pas le temps de te reposer sur tes lèvres.